Je suis compromis avec Maria devant la mairie de Puteaux. Hein, ça, on est toujours devant. Bonjour Maria. Bonsoir. Alors, les amis, j'ai vu un peu le dossier de Maria. Que s'est-il passé exactement dans votre dossier, Maria, par rapport au logement qu'on vous aurait proposé? Alors, je vais vous donner les copies que vous allez pouvoir montrer. J'ai reçu une lettre qui était écrite le 13, postée le 15 juin. C'était un vendredi, on peut tous voir et confirmer. Je l'ai reçu le lundi suivant, le soir, puisque je travaille le matin. Et j'ai répondu le mardi que c'était le 19, trop tard. J'ai reçu après une réponse que c'était trop tard pour mon dossier. Je n'ai pas eu le temps de répondre avant, puisque je ne savais pas où il fallait envoyer le dossier. Alors voilà, j'ai répondu dès que j'ai pu, avec toutes les copies pour remonter d'un dossier. C'était trop tard pour l'appartement de Puteaux. Les autres, dans les autres villes, je n'ai pas voulu, parce que je ne vais pas partir de Puteaux. Ça fait 15 ans que je fais une demande de logement à la mairie de Puteaux. Je n'ai pas de réponse. Je demande beaucoup de fois à Madame le maire de me recevoir, mais elle n'a pas le temps. Et je pense qu'elle n'est pas au courant que je suis dehors depuis 4 mois aujourd'hui. Ça fait 4 mois, depuis le 24 septembre, que je suis dehors, sans domicile fixe. Je suis SDF depuis 4 mois, mais je pense que Madame le maire n'est pas au courant. Sinon, avec le cœur qu'elle a, elle m'aurait donné quelque chose. Alors, moi, j'ai une autre question à vous poser, Maria. Si aujourd'hui, vous pouviez aussi parler à notre président qui, en ce moment, rappelle qu'il avait effectivement, il s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus de SDF dans la rue. Aujourd'hui, en tant que femme retraitée, SDF malheureusement depuis 4 mois, vous aimeriez lui dire quoi? Alors, je vous dis, monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, j'ai voté pour vous au premier tour. C'est pas parce que je voulais pas, c'est au premier tour parce que je vous trouvais très énergique, que la crise c'était financière. J'ai dit ça, c'est un financier qui va nous sortir et qui va laisser, il va tenir ses promesses qu'il n'a pas de SDF en 2018. On est en 2019 et je suis dans la rue. Il y a d'autres aussi. Je ne suis pas toute seule. Alors, je vais compter sur vous, que vous fassiez quelque chose pour les vieux. J'ai 71 ans. Ça fait 55 ans que je travaille en France. Je crois que je ne mérite pas ça. J'ai payé mes impôts. J'ai 1380 euros de retraite. Je ne sais pas, c'est pas assez. Je suis sans dents, je suis sans Rolex, je suis trop pauvre pour vivre à Puteaux. Non, il y a un problème là. Il faut faire quelque chose, monsieur Macron. J'ai voté pour vous au premier tour et au deuxième tour parce que je vous ai fait confiance. J'espère que je peux continuer à vous faire confiance. Merci.